Ah non, 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 non. Il y a une dizaine de personnes, pour des raisons tout à fait légitimes, personnelles, familiales. Il y a des personnes qui ont souhaité se retirer. Donc, et puis d'autres qui n'avaient peut-être plus la même motivation par rapport à l'âge, par rapport à plein de choses. Il y a une petite dizaine de personnes Des nouveaux qui. visages. Ah oui, oui, il y aura des nouveaux visages. Mais moi, ce que j'ai souhaité, c'est réunir en fait toutes les forces vives, quoi. On va avoir besoin. Alors, il y a eu dans la presse récemment les Ah, de madame. discussions avec Madame Carole Bureau-Bonnard. Mais il est fort probable que Carole soit sur notre liste. Et pourquoi? Le fait de partager avec nous des réunions de travail et tout, ça permettrait peut-être de nous ouvrir des portes pour nous apporter très rapidement des solutions, puis aussi autre chose. Donc voilà, Carole Bureau-Bonnard fera sûrement partie de la liste que je conduirai là, aux prochaines élections. Elle sera forcément, comme en 2008, qu'en 2014, sans étiquette. Soutenu par la République en marche. Alors, mais soutenue par le PS, soutenue par République En Marche, soutenue, en fait, et j'espère, par les Verts, parce que on a également dans notre programme des personnes avec une fibre écologique, comme moi d'ailleurs, parce que le réchauffement climatique, il ne suffit pas que d'en parler. Il faut que les villes, même de notre taille, les communautés de communes, s'y mettent pour que ce soit une réussite collective. Ça sera long, il y aura des changements de comportement, bien évidemment, mais comme je dis à chaque fois, la réussite, elle ne peut être que collective.